Bon, alors pour commencer, et une bonne fois pour toutes, je n'ai jamais été empereur, ok? Impérator, ça oui, mais ça c'est un titre militaire, genre général. Les empereurs, c'est venu après. Moi, j'ai toujours travaillé pour la République de Rome. Alors vous me changez ça tout de suite? Là, ça va. Bonjour. Excusez-moi, il y a mépris, je suis pas un Gaulois. Je suis un Arverne. Un Celte, à la limite, si vous voulez, mais ça, Gaulois, ça n'existe pas. Non, les seuls qui nous appellent comme ça, c'est les Romains, qui parlent de la Gaule. Des Gaules, même. D'ailleurs, ils appellent Gaule cisalpine les terres de l'autre côté des montagnes, de leur côté, quoi. Et Gaule transalpine, tout ce qui est au-delà des Alpes, de leur point de vue, cette fois. Enfin, c'est dire s'ils appellent Gaulois un petit peu tout et n'importe quoi, du moment que c'est Celte. D'ailleurs, Gaulois, pour nous, c'est du latin. Gallia. Paraîtrait que ça veut dire coq ou poule, un truc comme ça. Enfin, des noms d'oiseaux, quoi. Non, nous, en réalité, on est des Carnutes, des Édouins, des Bituriges, des Séquanes, des Parisis, des Rèmes, des Lingons, des Atrébates, des Pictons, des Ambiens, des Meldes, des Vénètes, des Allobroges, des Bélovaques, des Cadurques, des Rutènes, des Véliocas, des Volques, des Lémovis. Ouais, des Gaulois, quoi. Les Romains, vous savez, ça fait un moment qu'on les connaît, ces gars-là. Ça fait plusieurs siècles qu'on commerce, qu'on échange. Ils nous vendent de l'huile d'olive et du vin. Beaucoup de vin. Ah, ça, ils ont un bon pinard, les Romains. Mais ils savent pas boire. Ils le coupent à l'eau, ces cons. Et nous, on leur refile des céréales, du fer, des esclaves, plein de belles choses. Bon, alors, c'est vrai que ça a pas toujours été rose, hein. Surtout au début, quand Brennus et ses sénons leur ont rendu une petite visite à domicile. Disons que les premières livraisons de fer, ça a un peu été dans leur gueule. C'est les sénons, ça. Mais bon, 350 ans, il y a prescription. Alors débarquer comme ça et nous envahir après tout ce temps, franchement, c'est abusé. Non mais attendez. Nous, au départ, on nous appelle à l'aide. J'explique. Une bande d'Helvètes descendue de leur montagne sème la panique chez les Éduins. Et les Éduins, c'est nos copains. Ils adorent notre pinard. Bon, comme tous les Gaulois, bien sûr. Mais ils savent pas boire, ils le descendent pur, ces cons. Donc, les Éduins nous demandent d'intervenir. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'y vais. Mais nous, on faisait que passer. Pour aller voir des copains centons plus à l'ouest. Bon, on y allait tranquille, avec les femmes et les enfants. Et même les vieux. Ils nous ont défoncés. Alors que nous, tout ce qu'on voulait, c'est rester neutre. Alors qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, hein? On n'allait pas laisser nos amis Édouins aux mains d'Helvètes assoiffés de sang qui les pillent, les assassinent et les violent. Et puis une fois sur place, autant remettre un peu d'ordre. C'est vrai qu'au départ, il y en a qui étaient plutôt du côté des Romains. Parce que bon, certains étaient des alliés de Rome depuis belle lurette. Les Édouins, les Rèmes, les Lingons, les Arvernes. Ah oui, oui, les Arvernes, mon peuple, on était alliés. Je vous ai déjà parlé de leur pinard aux Romains? Oui? D'accord. Ah, mais c'est qu'on se connaît bien avec César, on a combattu ensemble. D'ailleurs, à mes débuts, j'ai même été son contubernalis sur les champs de bataille, son compagnon de tente. Attention, hein, en tout bien, tout honneur. Non, au début, on s'entendait plutôt bien avec les Romains, surtout quand c'était pour aller défoncer les autres tribus. Eh oui, quand je vous dis que le Gaulois, ça n'existe pas. Et puis bon, ils ont commencé à nous demander de payer des impôts, et de plus en plus. Puis ils sont mis à intervenir dans nos petites affaires. Alors bon, ça va un moment, mais comme on dit, il faut pas pousser mamie dans le gui. Le Gaulois est grand, rustre, turbulent, et au combat, d'une férocité inouïe, impitoyable. C'est un adversaire redoutable. Et je ne dis pas ça parce que je les ai battus, hein. Ah, je les ai pulvérisés, les bêtes de guerre, avec triomphe et tout. Veni, vidi, vici. Tiens, faudrait que je la replace, celle-là. Et donc, il est normal que maintenant, au pays, les gens m'adorent. Je leur ai bien cloué le bec au Sénat, à tous ces vieux croutons. T'as les cons.
On a essayé de se regrouper entre Celtes, quoi. Au début, on a eu quelques succès, notamment en Gergovie. Là, on s'est bien démerdé. Et puis bon, ben, à Alésia, ça s'est mal terminé, quoi. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? À la fin, on n'a pas été bon, on n'a pas été bon. Ouais. 1 million d'esclaves? Un dixième de la population? Alors, sans parler de l'autre million que nos petits gars ont dessoudé. Autant vous dire que dans mon domaine d'activité, on n'a pas chômé. Hein. Eh, non, c'est pas la matière première qui manquait. Alors, au début, ça va, mais à la longue, faut pas que ça fasse baisser les prix. Heureusement, la demande se maintient. Attention à la bulle, là. Ah bah tiens, viens là, toi. Allez, viens ici, là. Eh, regardez. Hein? Ça vous dit pas, ça? Tout frais, tout neuf. Hein? Allez, je vous fais un bon prix. Tais-toi. Ah ben voilà, quoi. Les Gaulois sont des barbares, ok. Nous, on leur apporte la civilisation. Attendez, ils ont même pas l'écriture. Faut pas déconner. On est quand même en 50 avant Jésus-Christ. Je suis désolé, c'est pas parce que les druides nous interdisent l'usage de l'écriture qu'on est des gros bouseux. Hein, il faut arrêter avec cette image de sauvage hirsute. Tenez, moi, par exemple, j'ai jamais porté ce genre de moustache ridicule. Y a que nos paysans qui sont trop cons pour se servir d'un rasoir. Non mais, faut pas croire, nous les nobles, on se rase aussi bien que les Romains. C'est comme ces histoires de casque à cornes, hein, ou avec des ailes de piaf sur le côté, là. Je sais pas d'où ça sort, mais nous, on n'a jamais porté ce genre de truc. Les cornes, c'est bon pour les Germains. Tiens, nous... C'est ça qu'on porte. Alors, eh, quand même, ça a une autre gueule, hein? Hein? Les cheveux? Ah, non. Non, ça c'est nous, les cheveux, ça. Ça... C'est important, les cheveux. Contubernalis. Oui, c'est compagnon de tente. Pour les briefings, les ordres de mission, tout ça, quoi. Pourquoi vous me demandez ça? Non, c'est vrai, c'est les Romains qui nous collent cette image de sauvages. Mais nous aussi, on a des villes. De l'urbs, comme ils disent. Bon, d'accord. Ils sont un peu en avance sur la plomberie, les aqueducs, les bains, tout ça. Puis ils nous ont fait découvrir les latrines. Ça, c'est pas mal. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on était un peu dans la merde. Mais attention, nous, on est des grands commerçants, des cadors de l'agriculture. On travaille les métaux comme pas deux. Le bronze, l'or et même l'acier. Et puis tiens, nous, on fabrique de magnifiques tonneaux. Alors que ces cons romains, ils utilisent encore des amphores comme au temps des Grecs. Eh oui, l'artisanat gaulois est au top. Nos produits s'exportent partout. Hein? J'ai dit gaulois? Oh merde. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ça, je vous propose la lecture d'un ouvrage très documenté. Je le sais, c'est moi qui l'ai écrit. Ça s'appelle « La guerre des Gaules ». C'est très instructif, très objectif. Et puis, c'est pas comme s'il y avait d'autres sources d'informations, vu que les gars d'en face, bah, ils écrivent pas. Bref, c'est un must, si c'est cet esprit conseillé. Oh, oh l'enfoiré! Je vous fais un prix. Non, non, laissez, ça va bien, ça, c'est parfait.